comme les copains, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Il est 6h20 et je vais bientôt partir en cours. Je sais pas du tout à quoi ma tête ressemble, c'est la première fois que je vlog dans mon appart. Alors aujourd'hui je vous emmène pour un vlog, je rentre, enfin c'est ma rentrée au deuxième semestre. Donc en école de commerce pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai que mes vlogs vont plus se concentrer sur ma vie étudiante. Je sais qu'on m'avait dit que j'en parlais beaucoup. Mais certains aimaient, certains peut-être ça leur saoulait un peu. Donc j'ai vraiment partagé de ouf pendant le mois de janvier. Et comme ça je me dis bah il y en a pour tout le monde. Étant donné que j'ai partagé beaucoup de vidéos en voyage, beaucoup de vidéos chez moi, chez mes parents, où j'ai pas du tout parlé des cours. En l'occurrence cette semaine ça va être une semaine assez particulière puisque c'est mes nouveaux cours. Ensuite je vais savoir dans quelle matière je vais au rattrapage. Je vous en parlerai je pense. Parce que je vais au rattrapage. Je sais pas trop si je vais faire un vlog par jour comme je vous l'ai dit. Je vois bien que le rythme n'est pas parfait. Alors attention, dans un vlog j'ai dit en rigolant. Ouais je crois que vous aimez pas trop mes vlogs en ce moment. Et genre vous m'avez... Enfin vraiment vous êtes pas mal à avoir commenté ou quoi. À me dire mais non on aime trop tes vlogs et tout. Et vraiment je veux pas que ça paraisse en mode vous savez les youtubeurs qui se plaignent. Après leurs abonnés, enfin c'est trop gentil à vous vraiment, mais c'est vraiment pas le but, genre c'est pas un truc, je dis pas ça comme ça pour avoir des commentaires, comme les gens qui disent ouais je suis trop moche, pour avoir plein de gens qui disent oh t'es trop belle, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont belles, enfin qu'ils sont beaux ou belles, enfin, bref, vous comprenez, c'était vraiment enfin pour rigoler et tout, et genre je comprends parfaitement qu'avec les cours, tout ça, vous ayez pas le temps, et même moi qui regarde beaucoup YouTube, j'aurais du mal à suivre vraiment assidûment une vidéo par jour d'une personne. Donc voilà, je comprends parfaitement, je sais que je suis capable de faire une vidéo par jour, vraiment le défi ne me fait pas peur, mais là en fait j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, j'ai envie que ça reste un plaisir et que je continue à kiffer pleinement et que je regrette pas après d'avoir délaissé les cours ou quoi. Bref, je vais partir en cours, aujourd'hui j'ai pas énormément cours, donc j'ai pas mal de choses à faire. Je vais essayer de ranger toutes mes affaires parce que je reviens de Prague. Faut que j'aille faire des courses parce que mon frigo est actuellement vide. Faut que je fasse pas mal de choses, donc je suis assez contente. Aussi, petit fun fact, donc ce matin, j'étais tellement la tête dans le cul que j'ai voulu me faire une tartine avec du beurre et mettre du cacao dessus, mais je sais pas pourquoi, j'ai mis du café. Je me disais c'est bizarre, genre ma tartine est vraiment amère. Et à un moment, au moment de la deuxième tartine, je me rends compte que j'ai mis du café dessus, mais genre du café en poudre, c'est pas bon. À quel moment j'ai confondu du café et du chocolat? Je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, déjà j'ai acheté des pâtes comme ça parce que j'adore ça et je trouve que ça change des pâtes normales. Donc je crois que ça m'a coûté 1,50€. J'en ai eu pour 10€ en tout. Ou 9. Ouais, 9, 10€ pour tout ça. Ensuite, je me suis acheté des épinards en congelé parce que je trouve ça pratique et ça c'est bon. Ensuite, des trios de poivrons en lanière, c'était vraiment pas cher, genre 1€. Et j'adore les poivrons. Hop. Ensuite, du fromage blanc. Je crois que c'est du fromage blanc 0%. Je sais que le mieux c'est pas 0%, mais j'ai pris le premier que j'ai trouvé. Il était bien noté au niveau des scores, donc je trouve ça assez cool. Des œufs, parce que franchement, je manque de protéines. Et là, vraiment, j'essaie de remanger, genre équilibré, parce que pendant mes vacances, forcément, j'ai un peu fait n'importe quoi. Et ensuite, du fromage de chèvre. Je sais pas pourquoi j'étais pas inspirée, genre sur la nourriture. Si vous avez des idées de recettes et tout, parce que franchement, en ce moment, je sais pas trop quoi faire. Je me suis fait mon petit repas, donc fromage de chèvre, poivron, lentilles, sauce soja salée et pâtes. J'ai trop hâte de manger, j'ai faim. Bon, welcome les copains, donc je vous retrouve mercredi, on est plus tard, parce que hier j'ai fini à 19h, c'est une journée relativement cool en termes de charge mentale on va dire. J'ai eu tous mes résultats, je ne vais pas vous en parler, je vais attendre, en fait je pense que je vais... enfin, la vidéo que vous verrez dimanche, ce sera pas un vlog, enfin ou un semi-vlog, mais je vais vous faire un bilan de mon semestre 1, je comptais pas le faire au début, j'ai eu beaucoup de gens me le demander et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose.
de vous éclaircir un peu sur en fait les études sup, parce que c'est vrai que t'arrives avec plein d'attentes et tout comme ça, et des fois c'est pas, enfin tu t'y attends pas, et en fait ça paraît évident, mais genre juste tu le savais pas. Donc là j'ai cours à 11h. Franchement cette semaine mon emploi du temps est relativement cool puisque j'ai cours samedi, et donc je vais bientôt partir. Je suis assez sapée, enfin simplement. Donc là c'est un vieux pull. Oh, j'ai plein d'allergies. J'essaie de me réveiller plus tôt pour ranger tout parce que vraiment c'est le gros bordel et j'ai besoin de recommencer dans un environnement stable. Donc voilà. Coucou les gars, je vous retrouve à la fin de ma journée. En fait, je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de mésaventures et je pouvais pas filmer. Donc en fait, ce matin, j'avais 1 heure de cours et après, j'allais rejoindre ma pote de Connect qui s'appelle Pauline, like me. Je sais pas si elle verra cette vidéo. Bref, qui était sur l'île. Et donc, en fait, j'étais en train d'envoyer un message et enfin, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un coup de vent ou moi, ou bref. Mais j'ai envoyé valdinguer mon téléphone, donc mon iPhone 6, qui est tombé par terre. Voilà. Et genre vraiment, pour moi, dans ma tête, il était pas cassé. Parce que, enfin, genre, il est tombé plein de fois. Même si j'en prends très soin, il a genre 3 ans. Et il avait aucune fissure. Et là, explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'était même plus explosé. Et en fait, donc, je vais voir Pauline et tout. On va manger d'ailleurs. Ça vous dirait une vidéo, genre, je sais pas si vous intéresseriez, mais une vidéo sur mes adresses à Lille. Parce que franchement, genre, il y a vraiment un resto que j'aime trop, qui fait des bowls. Je sais jamais le nom. Mais bref, j'y vais tout le temps. J'y étais allée avec mes potes. Puis après, j'y suis retournée et j'aime trop. Et en gros, bref, on y va et tout. Et après, je me dis, vas-y, meuf. Va le réparer maintenant parce que je me connais déjà, il pleut à Lille beaucoup, donc s'il y a de l'eau dedans c'est mort. Et vraiment genre ça arrivait au mauvais moment, je viens de m'acheter mon appareil photo, je viens de m'acheter mon ordi, je viens de me payer mon voyage pour Prague, donc clairement genre je peux pas me racheter un téléphone là, faut que j'arrête les dépenses. Et puis enfin c'est pas nécessaire, enfin genre j'adore mon iPhone 6, il me convient très bien et je trouve que c'est ridicule d'acheter un nouvel iPhone alors que ça ne sert à rien. Genre c'est bon, je suis pas une star d'Insta et de YouTube non plus, genre je pense que vous en foutez d'avoir une qualité iPhone 6 en photo Insta quoi. Et donc je suis allée jusqu'à Oisem, enfin on est allé jusqu'à Oisem à pied, j'ai marché 12 km aujourd'hui. J'ai réparé mon tel et Pauline avait aussi cassé son tel genre il y a quelques temps, donc on l'a réparé toutes les deux. J'en ai eu pour 44 euros. En vrai ça va, genre clairement ça va, enfin c'est cher, c'est cher, c'est genre tellement, ça prend de la place dans mon budget, 44 euros, et ça me fait trop trop chier parce qu'en plus aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de faire ça, genre je devais aller m'inscrire à la salle et après je devais aller chercher un truc pour mon ordonnance demain, enfin chercher des produits parce que j'ai une infiltration. Vraiment genre si j'ai une morale à ça c'est, bon déjà cassez pas votre téléphone, mais surtout genre relativiser, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années genre quand je cassais un truc genre je pleurais et tout, j'étais au bout de ma vie. Et je sais que tout le monde n'a pas les moyens de se repayer un iPhone ou de se repayer une vie, genre j'en suis totalement consciente, mais juste en vrai à chaque fois je me dis bah vas-y c'est qu'un truc matériel, enfin c'est de l'argent, ok c'est chiant mais voilà quoi, enfin genre je vais, ça sert à rien, genre c'est cassé c'est cassé. Et genre je vais beaucoup mieux depuis que je pense comme ça, parce que vraiment depuis le début de l'année tous mes trucs genre matériels ils m'ont lâché. Et ça a commencé par ma montre, donc je l'ai rachetée, je l'ai redemandé à Noël, enfin bref. Mais voilà, il y a plein de trucs qui cassent et tout. Et genre, même si ça a une valeur sentimentale, bah. Essayons de relativiser. Je veux pas du tout faire des leçons de morale, mais c'est vraiment ce que je me dis et je vous conseille de faire la même chose. Donc voilà, mais aussi prenez soin de vos affaires parce que franchement. Enfin, je sais pas, genre. Prenez soin de vos affaires. Bref, je vais arrêter mes blablas. Je vais aller finir de monter mon vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bye.